En France, une question très facile. De quoi ont parlé les ministres ce matin à l'hôtel Matignon lors de leur traditionnelle rencontre bimensuelle? De l'exploit des Bleus hier soir, bien sûr. Des ministres très branchés football, surtout les femmes, contrairement aux idées reçues. Réaction recueillie ce matin par Carole Comon et Jean Cornu. Alors le match d'hier? Ah, c'était un superbe match. Je crois que vraiment le groupe a montré toute sa solidité. Et puis Jacquet a montré tout son caractère finalement et la pertinence des choix qu'il avait fait. Vous avez regardé le match hier? J'y étais. La finale France-Brésil, vous en rêviez? Ah ben j'en rêvais, c'était mon pronostic depuis le début. On a fait des paris et bon, maintenant ça va être dur hein, quand même. Parce que j'ai soutenu le Brésil aussi jusqu'à présent. Alors maintenant évidemment je soutiens la France. J'ai trouvé, évidemment Thuram, mais que j'aime bien depuis longtemps, il a été absolument superbe. Puis De Sailly, petit aussi, hein, ont été magnifiques, voilà. Alors on est triste pour Laurent Blanc. Je l'ai regardé, j'ai beaucoup souffert. J'espère que je vais moins souffrir sur la Réunion concernant tous les problèmes de notre pays et de fiscalité. Et regardez la tête de Moscovici, il a aussi beaucoup souffert. Mais on est heureux, on est vraiment heureux. On est vraiment heureux. C'est une équipe qui a quand même une ressource mentale absolument étonnante. Bon, c'est peut-être pas la meilleure équipe du monde, comme l'a dit Aimé Jacquet hier. Ils ne sont pas forcément les plus brillants, mais ils sont vraiment extrêmement forts et je crois qu'ils ont maintenant toute leur chance. Le ministre, s'il vous plaît. Alors, vous ne l'aviez pas demandé avant, alors je vous aurais dit de... Wow.